bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur le net. Et simplement, je voudrais vous dire et vous partager un petit mot quand même avant de démarrer. Le Seigneur nous dit prier sans cesse. Nous avons eu une semaine de jeûne et prière extraordinaire. Je peux le dire, avec des combats bien sûr, mais le fait d'être devant le trône de Dieu, de prier, de remettre les choses entre les mains de Dieu, je crois réellement que des victoires nous sont accordées dans ces moments particuliers où nous prenons un temps pour Dieu, un temps peut-être plus difficile que les autres. Je rappelle ce que le roi David a dit, hein, je ne donnerai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Donc Dieu se réjouit de voir ses enfants qui prennent des fois du temps pour lui. Et je veux dire, ça ne concerne pas que les cheveux blancs, ça concerne tout le monde. Et quand vous avez du temps, si vous pouvez venir, venez nous rejoindre. Et pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, en tout cas, on a jeûné pour vous. Je voulais vous le dire, on a prié pour vous, on a pris du temps, et on a pris du temps pour l'Église, on a pris du temps pour les familles, on a pris du temps pour notre nation, on a pris du temps pour les malades, on a pris du temps pour bien des choses, et je crois que le Seigneur a des réponses qui vont arriver. À tous ceux qui ont intercédé, je vous dis, soyez confiant, espérez en Dieu, car la réponse est proche. Voilà. Simplement, maintenant, je voudrais remettre ce temps de culte entre les mains du Seigneur. Et je vous invite vraiment à élever votre cœur devant le trône de Dieu. Une louange qui lui soit agréable. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour tes grâces. C'est tellement bon de pouvoir venir te louer dans ce lieu. Merci parce que ton nom, Seigneur, est au-dessus de tout nom. Seigneur, en toi, Seigneur, nous avons la vie, nous avons la joie, la paix, l'amour. Seigneur, la fidélité, la foi nous habite. Et tout ça, ce n'est que l'effet de ta grâce. Alors, Seigneur notre Dieu, viens renouveler, viens faire grandir, Seigneur, ces choses. Nous plaçons nos familles entre tes mains, parce que pendant ce temps de culte, Seigneur, tu es le Dieu des familles, le Dieu des couples, le Dieu aussi des célibataires, Seigneur. Je veux prier notamment, Seigneur, pour tous ceux qui sont là, Seigneur, qui ont besoin d'un baume de réconfort, qui sont dans une souffrance. Seigneur, à toi toute la gloire, Jésus. Merci encore, parce que notre Dieu, il n'y a que toi qui compte. Il n'y a que toi qui compte. Alors, dans ce temps de louange, je veux juste te demander une chose, Père. Fais-nous la grâce d'être en connexion avec ton ciel. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Bonjour, bonjour. Bah, je vous invite à vous lever déjà. Ça va bien? Bon, le chauffage est cassé, mais on va se réchauffer en adorant. Amen. Puis de toute façon, avec Dieu, on est toujours bouillant, donc ça va. Nous a révélé ton cœur et pour toujours je cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Dieu tout puissant, surpassant les étoiles par.
toi seul. À toi seul, sois toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, sois toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, à toi seul, sois toute la Jésus, nous voulons encore nous présenter, Seigneur, devant toi ce matin pour vraiment, Seigneur, te dire, Seigneur, que tu es le bienvenu parmi nous. Seigneur Jésus, nous t'accueillons, Seigneur, encore en ce lieu, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Reçois notre adoration encore ce matin, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, encore t'acclamer, t'honorer. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié. La gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de crions. Sa gloire recouvre la terre.
infini qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il une dernière fois, Christ. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie. Jésus, parce que Seigneur, tes merveilles, Seigneur Jésus, se renouvellent, Seigneur Jésus, tes bontés se renouvellent chaque matin. Au peuple de Dieu, élève ta voix. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'attend à votre adoration. Il est là parmi nous. Seigneur, qui empêche ton adoration. Élevez votre voix encore ce matin. Alléluia. Chantons ce chant qui dit que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Today.
La majesté,
tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom, je loue ton nom. Es-tu lassé, es-tu lassé, désemparé, emprisonné, emprisonné dans tes pensées. Oh, crie ta louange, crie ta louange, oh Dieu qui t'aime. Et tu verras tomber les chaînes. Chante gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Toi l'honneur, la majesté. Tu es la vie, Jésus. Tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom, je loue ton nom. Chantons gloire à ton nom, gloire à ton nom. Toi l'honneur, la majesté, tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom, je loue ton nom. Chantons le nom de Jésus. Seigneur,
ton nom, gloire à ton nom, à toi l'honneur, la majesté. Je loue ton nom, je loue ton nom. Le Seigneur me met à cœur de vous dire, Église de Béthanie, quand le prophète Élie était dans la caverne, bien des choses se sont passées. Il déprimait, il était au plus bas. Alors un tonnerre est venu, un tremblement de terre est venu. Et il est marqué que l'Esprit de Dieu n'était pas dans le tonnerre et n'était pas dans ce tremblement de terre. Puis un grand silence, et comme une douceur paisible, il sut que l'Éternel passait. Seigneur te dit, tu es dans le tumulte, Église de Béthanie, tu es souvent dans les batailles et les luttes, mais apprends à faire taire les choses. Prends des temps où tu vas sentir ma présence, vous dit le Seigneur. Et ce n'est pas dans le tumulte, c'est dans la paix, la sérénité que je vous donne. Élie se plaignait aussi d'une deuxième chose. C'est une parole pour l'Église que je suis en train de vous dire. C'est qu'il se sentait tout seul. Il avait, quelque temps auparavant, avant d'arriver dans la caverne, demandé la mort. Il voulait se suicider. Et voici que le Seigneur... Et là, à l'écoute de son serviteur, et le serviteur se plaint. Et voici qu'il dit qu'il est tout seul en Israël. Mais il lui dit, mais non, mon enfant, il y a 7000 prophètes comme toi. T'es pas tout seul, t'es pas toute seule. L'Église de Christ est là. Sache tourner les bons regards vers l'Église. L'Église est mon épouse. Tu y trouveras des frères, des amis, des sœurs. Et tu y trouveras assurément ma présence. Alors, Église de Béthanie, continue dans la communion fraternelle. Parce que je bénis les endroits comme ceci. Le Seigneur me montre vraiment le pan de ses manteaux. C'est une vision récurrente que j'ai pendant l'adoration et je bénis Dieu parce que j'aimerais tellement que le Seigneur fait la grâce, que tout le monde puisse voir ça, Seigneur, au nom de Jésus. Ces pans de son manteau qui tombent sur l'assemblée. Laissez-vous envahir de son amour. Prenez un temps, pendant qu'ils vont prendre le prochain chant, prenez vraiment un temps où apaisez votre cœur. Laissez monter votre cœur vers le trône de Dieu. Il y a d'abondantes joies. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen. Toutes mes
Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons proclamer, Seigneur, que rien ne soit pas un jour. Alléluia. Il y a une parole de Dieu. Le Seigneur me montrait une personne. Tu es dans ce lieu, c'est une sœur, et tu te sens comme morte à l'intérieur. Tu me connais, tu m'as connue, et tu as l'impression que tout est mort, qu'il n'y a plus la vie que tu as connue auparavant, et tu veux regoûter à la présence de mon esprit. Et le Seigneur te dit, ma fille, je n'éteins pas le lumignon qui fume encore. C'est vrai, dans ton cœur, tu te dis... Moi, si c'est pour venir et être comme dans une religion, ça ne m'intéresse pas. Je veux sentir la présence de Dieu. Je veux que ce soit une foi vivante. Je veux vraiment avoir la vie de l'Esprit en moi. Et le Seigneur te dit ce matin, ma fille, je n'éteins pas le lumignon qui fume. Je vais rafraîchir ton âme. Je vais te restaurer. Je vais faire couler à nouveau cette eau, ces fleuves d'eau vive. Mais laisse-moi vraiment te remplir. Ne bloque pas les choses. Laisse-moi te remplir. Laisse-moi te prouver mon amour. Laisse-moi te remplir de mon amour. Ne bloque pas les choses par des raisonnements, par tes pensées, par tout ce qui a pu te blesser aussi. Mais laisse-moi juste t'aimer et te remplir de mon amour. Et tu verras ces fleuves d'eau vive à nouveau remplir ton être et te permettre d'être vraiment dans ma présence. Amen. Amen. Le Seigneur s'adresse à une autre personne. Ne sais-tu pas que dans ma parole, il est marqué, si tu as péché et que tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Il y a comme un blocage pour la prise de Sainte-Seine. Le Seigneur va lever ça. Peut-être pas aujourd'hui, mais petit à petit, ça va partir. Parce que tu as plus écouté un homme que Dieu. Sache une chose. Aujourd'hui, maintenant que tu t'es apaisé, Dieu t'appelle à retourner derrière la parole et à lire la parole avec l'esprit, pas avec ta tête. Et tu vas voir la libération. Tous les cadenas posés vont tous claquer les uns derrière les autres. Je brise maintenant les paroles qui ont été prononcées sur ta vie, les paroles qui ont été enseignées. C'est un mauvais enseignement. Au nom de Jésus. Et je me lève sans aucune timidité contre ça. Je ne me lève pas contre une personne, mais contre les autorités et les esprits méchants qui se démènent derrière toi, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. On va chanter cet autre chant. Que tous confessent ton nom, c'est merveilleux. Et t'adore à jamais, Fils de Dieu. Cherche de tout son cœur, te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais, que notre cœur vibre pour toi.
Gloire à Dieu, prenez place, le Seigneur est bon, il est bon, il est merveilleux. Voilà, peut-être dans ta vie, là, ça la galère et tout, mais mets tout de côté, ton corps, ta tête, ton âme, laisse juste ton cœur sur la chaise. Tu vas voir que tu vas repartir et tes problèmes, ils seront comme inexistants. Mais je vous assure, vivez le ciel, il veut vous le faire vivre. Vous êtes des enfants de Dieu ou pas ? Qui connaît Jésus-Christ dans cette salle ? Tout le monde connaît Jésus-Christ ? Bon, alors, on continue à adorer. Allez, hop. Donc, j'en étais à où, moi, avec tout ça ? Voilà, je voudrais vraiment, simplement, tout simplement, faire une petite introduction à la Sainte Cène qui me paraît nécessaire, parce que de plus en plus, sur des dialogues que je peux avoir avec des gens, pas spécialement ici, hein. Ici normalement on est tous bien, donc, mais avec d'autres personnes, on va dire ceux du dehors, ceux de derrière, voilà, qu'on croise tous les jours et qui vivent aussi la foi. On peut rencontrer des gens qui se disent, voilà, la Sainte Cène, c'est une fois par mois, c'est une fois de temps en temps, c'est une fois par an, c'est une fois par semaine. Tous les jours, à tous les repas. Et puis j'ai envie de dire, qu'importe, tout est recevable. Nous allons lire un passage. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. J'ai donné la référence, oui, Luc 22, 19 et 20. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Donc, nous avons fait une alliance, notre frère nous a introduit cela la semaine dernière, mais il y a une autre petite chose que je relève dans ce passage, c'est « Faites ceci en mémoire de moi. » Il a bien dit « Faites ceci en mémoire de moi, non ?» Donc c'est en mémoire de lui qu'on le fait. Oui ? On est tous d'accord pour l'instant, hein. On est bien d'accord que ça, c'est pas de la chair et ça, c'est pas du sang. Hein. Oui ? Si vous ne savez pas ça, vous venez me voir à la fin. Hein. Parce que ça, c'est de la transsubstantiation, c'est simplement du mysticisme, hein, quand on dit que le pain devient Jésus-Christ. Hein. Faites ceci en mémoire de moi. Bon, là, on part sur de bonnes bases. Mais il est marqué aucune fréquence. On ne sait pas combien de fois on doit faire la Sainte Cène. Est-ce qu'on doit la pratiquer, comme je disais tout à l'heure, tous les dimanches ? Puisque ici, nous, la récurrence, c'est tous les dimanches. Au moins une fois dans la semaine, le premier jour de la semaine. On va un petit peu décliner les choses. J'ai 10 minutes, montre en main.
Effectivement, tout est recevable et tout est possible. Et je dois respecter les visions des autres églises. Si quelqu'un a une vision de faire la Sainte-Seine une fois par an, dans son assemblée, c'est une chose. Mais le problème du chrétien, c'est qu'il n'a pas compris que la Sainte-Seine, normalement, est pour ceux qui sont convertis, pas baptisés, convertis. C'est pas la même chose. D'accord ? Suivez-moi bien. Il peut très bien y avoir quelqu'un qui a du mal à prendre le baptême, mais qui a reçu Jésus dans son cœur. Et il y a quelqu'un qui a pu prendre le baptême sans avoir reçu Jésus dans son cœur. Comment toi et moi, on peut le définir, ça ? Personne ne peut le définir. Donc, maintenant, on ne fait plus passer les paniers, mais chacun doit s'éprouver lui-même, et c'est la responsabilité de chacun. À celui qui dit que la Sainte-Seine n'est offerte qu'aux baptisés, c'est une erreur fondamentale. Enfin bref, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. La Sainte-Seine est pour les gens convertis, nés de nouveau. Celui qui croira et qui a reçu Christ dans son cœur. Puisque tu as cru, alors le baptême, tu le prends vite. Donc du coup, c'est les baptisés qui prennent la Sainte-Seine. Vous comprenez ? Mais de faire une règle comme ça, c'est un repoussoir aux gens qui ne connaissent pas la foi. Mais cette pratique n'est donc pas limitée à un lieu non plus. La pratique de la Sainte-Seine, elle n'est pas limitée à notre église. Si vous avez des groupes de maisons et qu'on vous le met à cœur, mais faites-la ! Vous attendez quoi ? La Sainte-Seine était pratiquée dans un moment de repas, au départ. On mangeait comme ça, hop, hein, une bonne ripaille, je ne sais pas ce qu'ils mangeaient, du poisson, toutes sortes de choses. Et puis tout d'un coup, pendant le repas, on s'arrêtait. Et le responsable spirituel, des fois l'apôtre Paul et d'autres, se levait et disait, nous allons maintenant rendre des actions de grâce au Seigneur. Et nous allons faire ceci en mémoire de lui. Et donc on prenait le pain, on prenait le vin, on le rompait, hein, ça représente son corps brisé à la croix, et son vin représente, je dis bien représente, le sang de Christ. On est bien d'accord, c'est toujours pas transformé en chair et en sang. Hein. Amen. Ceci étant dit, il me paraît qu'il nous faut être attentif à la parole. La Sainte-Seine est devenue des fois un rituel dans nos églises. On vient, ah ça y est, c'est le moment de la Sainte-Seine, je vais m'asseoir, l'autre il va faire 10 minutes de prêche, et puis je vais me lever, je vais prendre mon petit bout de pain, mon petit bout de vin. Et bien là, tu n'as rien fait. Hein. Je te le dis sincèrement, hein. Là tu es passé à côté de tout. C'est le centre du culte. C'est le centre névralgique du culte. Pourquoi ? Parce que la Sainte-Seine est le rendez-vous à la croix. Il est le rendez-vous à l'avènement de Christ. Il est le rendez-vous à la résurrection du Seigneur. Il est le rendez-vous au pardon du Seigneur. Il est le rendez-vous à la repentance. Puisqu'on s'éprouve soi-même. On se repent de nos péchés. Il est le rendez-vous de toutes ces choses. Et encore, j'en oublie. Il est le rendez-vous de la guérison. À la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est le rendez-vous de bien des choses. Il est le rendez-vous de la délivrance de ta vie. Il est surtout le rendez-vous pour te rappeler qu'un jour, tu as donné ton cœur au Seigneur et que ta vie, t'en fais pas n'importe quoi. Ta vie, t'en fais pas n'importe quoi. Mais Dieu ne supporte pas le péché. Et c'est pour ça qu'il a fallu ce prix très fort. Nous ne sommes pas dans un supermarché religieux. Et si tu viens ici comme étant religieux, ben arrête. Brise ça au nom de Jésus, accepte Christ dans ton cœur. Nous ne sommes pas des évangéliques, nous sommes des enfants de Christ. Amen. Et les enfants de Christ se réunissent et font ce que leur maître dit. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Alors pourquoi, quand nous nous réunissons dans ce temps de Sainte-Seine, il faut honorer notre Seigneur pour quelque chose on a l'impression que c'est... Je veux dire, les mots deviennent tellement, au bout de quelques années chrétiens, deviennent tellement une habitude chez nous. Mais être sauvé, mais vous vous rendez compte de ce que c'est ? On était perdu à jamais de la présence de Dieu. Toi qui vis, et je m'adresse à ceux qui vivent des moments d'adoration et puis des moments de fraîcheur dans le Seigneur. C'est bien, hein ? Mais ça ne serait pas possible sans le salut. C'est pas possible sans le salut. Tous ceux qui n'ont pas ça demeurent sous la colère de Dieu.
Et t'as beau être quelqu'un avec plein de valeurs, quelqu'un de très gentil, si t'as pas Jésus dans le cœur, t'es pas sauvé. T'es un gentil païen. Mais t'es pas un chrétien sauvé. T'es juste un gentil païen. Alors c'est sûr, je pourrais te confier ma carte bleue parce que t'es quelqu'un de droit. Mais t'es pas sauvé. Être sauvé, c'est avoir Jésus dans le cœur et de s'être converti. Ça, c'est être sauvé. Ça, c'est avoir dit au Seigneur, je ne mérite rien, je suis le plus grand pécheur de la terre, même si tu n'as jamais volé un bonbon de ta vie, tu es quand même un pécheur, tu es condamné à aller en perdition si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu Dieu dans ton cœur. Il est le sacrifice parfait. Mais il est aussi important de réaliser quelque chose, je pense, et je parlais de régularité au départ, pourquoi devons-nous être réguliers quand on est tous ensemble? Je vous invite à prendre 1 Corinthiens 10, versets 15 et 16 et 17, pour ceux qui ont une Bible, sinon ça va être projeté. Je vous invite vraiment à prendre vos Bibles. Alors, je parle comme à des hommes, virgule, et j'ai rajouté, et des femmes intelligents et intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui parle. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons donc un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est quoi le pain? C'est qui le pain? Comme ça va être plus facile. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Donc quand tu prends ça, tu ne prends pas de la chair et du sang, mais en mémoire de lui, tu es en train de révéler en toi-même que tout d'un coup, mais oui en fait, l'Esprit de Dieu est en moi, le Saint-Esprit est Jésus-Christ, je vous rappelle. Alors frères et sœurs, il y a quelque chose que j'ai souligné trois fois. Je parle comme des gens intelligents. Ici, il n'y a aucun idiot. Celui qui est idiot, lève la main, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'idiot. Bon, je parle comme des anges intelligents. La Sainte Cène est donc une pratique qui nous amène à quelque chose d'important. Et ce que j'ai souligné trois fois, ça s'appelle le mot communion. Alors on communie, oui, le pain et le vin. Mais le vrai sens de la communion, ce n'est pas le fait qu'on mange un bout de pain et du vin ensemble. Le vrai sens de la communion, c'est ce qui est commun à plusieurs personnes. C'est toute l'assistance ensemble. C'est une contribution volontaire de ma part de prendre avec mes frères et sœurs ceci en mémoire de Jésus-Christ. La communion fraternelle, ça vous dit rien? Prendre part. On est actif. Ce n'est pas un moment religieux où je prends un bout de pain et un morceau de vin et je suis tellement habitué à le faire que c'est devenu quelque chose de normal. Non. Et puis pour finir, j'ai vraiment une conviction à dire à l'Église. Dans cette Église, nous avons l'habitude de prendre la Sainte Cène tous les dimanches. Pas vrai? Pour ceux qui viennent depuis des années. Bon. Pourquoi on prend la Sainte Cène tous les dimanches? Mais parce que, frères et sœurs, c'est la journée du repos du Seigneur. Il est marqué, mettez cette journée à part. Maintenant, je vais essayer de vous faire réfléchir à quelque chose qui m'a traversé l'esprit quand j'ai fait cette chose. Je dis, quand on prend la parole de Dieu, il nous y dit, mets une journée à part pour honorer ton Dieu. C'est pas vrai? Bon, suivez-moi. Nous, on a une forme de culte. Vous avez assisté à tout un temps de louange et d'adoration. C'est normal dans un culte ou pas? Bon, ça vous paraît presque obligatoire tous les dimanches matin. D'accord? Bon, après il y a la prêche de la parole de Dieu. Ça vous paraît normal que d'entendre un message de la parole, je le pense. La prédication fait partie intégrante du culte, oui ou non? Suivez-moi. Vous me suivez là? D'accord. Bon, pour ceux qui disent qu'il ne faut pas prendre la Sainte Cène, je vous ferai remarquer que les deux points que je viens d'élever sont beaucoup moins explicites que ce que Jésus a ordonné par rapport à la Sainte Cène. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et là, il le dit « Faites ceci ». Alors que la forme de louange, elle est comme l'Esprit nous l'a donnée. La prêche, on prêche 50 minutes, on pourrait prêcher 10 minutes. Mais rien ne nous cadre dans la Bible.
Mais par contre, la Sainte Cène, c'est marqué « Faites ceci en mémoire de moi ». Vous rendez compte ce que Jésus a fait ? Il savait qu'il allait à la croix. Non mais, il faut quand même se remettre dans le contexte. Il était oppressé partout. Les puissances démoniaques, la haine du monde, tout était là. Le meilleur de ses amis a été infidèle. Il l'a trahi, il l'a vendu. Dans les 12, les êtres les plus chers qu'il suivait depuis 3 ans et demi. Il est là, il est dans un contexte terrible. Il prend le temps de leur dire, faites ceci en mémoire de moi. Il mange avec eux et il instaure la Sainte Cène à ce moment-là, tout en sachant qu'il allait vers la croix. Il nous laisse un héritage. Justement, ce n'est pas à négliger. Quand je prends la Sainte Cène, qu'est-ce que je fais comme acte ? Ce matin, mon but, c'est de remettre à cœur que de faire la Sainte Cène régulièrement, c'est normal. De prendre la Sainte Cène, c'est encore plus normal. Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de la prendre ? Qui ? L'apôtre Paul ? C'est pas ce qu'il dit dans le passage. Un homme, qu'il soit anathème. Dieu est ton Père. Si tu péchais, tu confesses tes péchés, il te pardonne. Après, tu prends la Sainte Cène. Parce que tu dois communier avec le sang et le corps de Christ. Pas avec du pain et du vin. Hein. Le pain et le vin représentent. Mais tu dois communier en esprit. Tu veux vivre des délivrances ? Il y en a dans la Sainte Cène. Rejeter ce qui n'est pas de la parole. Garder ce qui est bon. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens. Garder ce qui est bon. Et sachez une chose, la Sainte Cène, si vous êtes en famille et vous voulez le faire tous les jours, eh bien, amen, faites-la tous les jours avec votre famille. Ça n'a pas... C'est super, c'est tant mieux. Faites comme l'Esprit de Dieu vous met à cœur. Mais ici, on fera la Sainte Cène tous les dimanches tant que je serai pasteur. Amen. Donc soyez bénis, je vous demande de vous lever. On va prier. Et puis après, j'espère que ça suivra. Et frères et sœurs, quand je prêche, prenez la parole pour vous. Ne réfléchissez pas. Il n'y a aucun problème avec personne, hein, je tiens à le dire. D'accord ? Ne me regardez pas en vous disant, bah tiens, il a dû parler avec qui et tout. Non, non, non. C'est ce que Dieu a mis sur mon corps pour l'église de Béthanie, pour nous. Je tiens à le rappeler, mais je veux casser dans vos cœurs et dans le mien que ça s'installe en principe religieux. Je ne veux pas de ça, parce que je sais que ça nous éloigne de la vérité. Amen. Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur, de bénir ce pain et ce vin qui représente, Seigneur, qui représente ton sacrifice parfait à la croix. Comment, Seigneur, tu es notre Dieu et comment tu es bon. Tu as pris le temps, Seigneur, de dîner avec tes disciples et aujourd'hui tu soupes avec nous. Enfin, tu dînes avec nous. Merci pour ce saint repas. Merci parce que tu es toujours ce Dieu qui pardonne et ton sang est toujours ce sang qui purifie de tout péché. Alors Jésus, sois glorifié et béni. Amen. On va chanter. Je vous invite à tous ceux qui ont le kit Sainte-Cène de le préparer pendant le chant. Eh bien, communier avec le Seigneur et puis avec moi-même et avec vos frères et sœurs. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta et rejeter.
des royaumes. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta Acte 20, verset 7, il est marqué le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Vous savez que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous pouvez vous asseoir. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Alors, on a cette chance qu'on soit dans un pays où nous pouvons... merci au groupe de louanges, hein, soyez bénis. On peut les encourager. Bon, la technique avec, bien évidemment. Merci à vous pour votre service. Pour terminer, parce que j'avais vraiment ça à cœur. Pour moi, bien sûr que ce n'est pas un verset, ce n'est pas une règle. Hein, mettre un jour à part, dans certains pays, le jour chômé, c'est le samedi ou le vendredi. Hein. Notamment, j'ai prêché en Algérie bien des fois. Et là-haut, ce n'est pas le dimanche. Mais ils ont leur jour. Un jour mis à part pour l'Éternel. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que ce jour mis à part, quand c'est marqué que l'apôtre Paul se réunissait, la première chose qu'ils font, c'est rompre le pain. Si c'était juste pour nous dire qu'ils avaient fait une agape, ils n'auraient pas mis rompre le pain. Ils auraient dit, nous les étions réunis en communion fraternelle. Là, ça a une consonance qui rappelle la Sainte Cène. Parce qu'ils prenaient tout en action de grâce. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu vous impacter ce matin là-dessus. Sachez que l'un des grands pièges que nous avons, c'est de nous habituer à l'Église. Je parle pour ceux qui marchent depuis des années. On s'habitue à la forme du culte, à ceci, à cela. Et des fois, c'est bien de bousculer les choses. Je sais que les anciens, des fois, après, non, il ne faut surtout pas faire ça. Mais pourquoi il ne faut pas faire ça? Quelle règle t'impose de faire quoi que ce soit? La forme du culte, on la vit parce que c'est comme ça, c'est occidental. Mais moi, si je vous mets les louanges de mettons ici, j'aurais les louanges de tout le pays. J'ai encore les annonces à faire. Hein. Si je vous mets les louanges de tous les pays sur Terre, il n'y en a aucune qui se ressemble. Et partout, il y a l'Esprit de Dieu. OK ? Les Africains louent d'une manière, les Occidentaux de l'autre. Et alors ? Est-ce que franchement, ça a une importance ? Je ne crois pas que tous les anges, ils ont la même voix à l'unisson. Hein. Je crois que Dieu a fait des anges complètement différents. Il y en a qui volent, qui crient Saint, Saint, Saint. D'autres qui sont au groupe de louanges du ciel. D'autres qui sont sûrement en bas, en train d'acclamer Dieu avec des poèmes. Enfin, j'en sais rien, je m'imagine des choses, je dis n'importe quoi. Je dis ce que mon cœur vous dit.
Pourquoi l'Église doit être le reflet du ciel en termes de prière et d'adoration? Amen. La diversité, c'est beau. Le mélange des races, c'est beau. Tant qu'on a Jésus-Christ dans le cœur et qu'on s'aime profondément, fraternellement. Amen. Voilà, les annonces. Alors, nous avons le culte en direct le dimanche de 10h à midi. Et le mercredi, un autre culte à 19h30. Ce culte n'est pas filmé et pour l'instant, il ne sera pas filmé. On vous préviendra quand ça se fera. L'intercession du dimanche matin, pour ceux qui voudraient venir prier dans cette église. Nous avons une intercession le dimanche matin qui ne dure pas très longtemps. Elle dure une petite demi-heure. Oh, c'est rien, ça va vite. 9h15 à 9h45. Intercession de toute la semaine pour les sujets de prière de chacun. Nous avons une boîte mail où nous pouvons déposer des sujets de prière, tous les sujets de prière que vous voulez. Et il y a un groupe d'intercession qui prie. Si vous voulez vous joindre au groupe d'intercession, vous êtes le bienvenu. Et puis si vous avez des questions, venez vous renseigner. Nous avons un arrêt momentané, je ne vais pas mettre de date, du Zoom de prière pendant un temps pour se réorganiser. Donc, je vous préviendrai quand ça reprendra. Le club du dimanche a repris et les enfants de 3 à 12 ans sont acceptés. À partir, on a corrigé un petit peu parce que ce n'était pas faisable. Ce n'est pas 10h15, mais 10h30 maintenant. D'accord? 10h30, les enfants. Bon, ce n'est pas grand-chose, un petit quart d'heure. Ils louent avec nous, ça leur fait du bien. Alors, merci à tous ceux qui se sont inscrits pour le baptême. Tout à l'heure, venez me rejoindre après le culte. J'en profite pour vous dire que je pars en pastoral tout de suite après le culte. Donc, je m'excuse déjà par avance, je ne pourrai pas consacrer du temps aux gens ce midi. Vous savez que ce n'est pas mon habitude, mais quand c'est les pastorales et que je dois partir le dimanche, c'est toujours 4 heures, 5 heures de route. Et donc, bon, comprenez qu'il faut que j'arrive à l'heure. Bref, c'est ma vie. j'ai juste envie de dire, par contre, je prends le temps de voir avec les baptisés pour les préparations au baptême. Donc vous venez vite après le culte, devant, tous ceux qui sont là, qui sont intéressés par le baptême, et puis je vous explique les choses. Les travaux reprendront fin octobre. Alors la prochaine rendez-vous, Sentinelle. Hier, il y a eu un petit atelier couture, je crois, donc soyez bénis les sœurs qui y ont participé. Je sais que vous n'étiez pas nombreuses, mais je pense que ça va quand même gagner du monde, parce que franchement, pour les femmes, lisez Proverbes, la femme vertueuse. Et pour les hommes, lisez Proverbes, les hommes vertueux. Comme ça, ils peuvent aussi apprendre à coudre, c'est pas un problème. Eh, je me suis mis au repassage, hein. Quand même. Eh, je veux pas qu'on m'applaudisse. Attention, j'ai 50 ans, c'est trop tard déjà. J'aurais dû le faire avant. Je dis n'importe quoi. Donc, Sentinelle, samedi 23 octobre 2021 à 14h30. Nous avons la venue du pasteur, donc, qui est missionnaire en Guyane depuis maintenant plus de 20 années, hein, du pasteur Gilles Sachs, du 2 au 10 novembre 2021. Il y aura dans cette période donc, un temps de pastoral. Priez pour ça, parce que les pastorales, en fait, c'est vraiment pour prier pour le pays, pour vraiment discuter de points voilà, qui concernent les églises en général. Le groupe New Way. Alors, ça sera sûrement une sortie. Vous avez une rencontre inter-église avec deux églises, Château-Thierry et Coulommiers. Et ça se fera à Château-Thierry. C'est le samedi 13 novembre 2021. Franchement, les jeunes de 15 à 30 ans, ou je ne sais plus combien, là, enfin bref, allez-y. Il va y avoir des moments d'adoration. Il y a un excellent orateur que je connais bien, c'est Serge Bureau. Vraiment, allez-y. Franchement, vous allez vivre des moments particuliers. Moi, je pense que ce serait dommage de rater ça. Venu du pasteur Yves Schlepko, le 20 et 21 novembre 2021. Sûrement le samedi, on fera quelque chose sûrement dans de l'étude biblique. Voyage en Guyane, prévu pour alors ma personne, et normalement, Lucas doit m'accompagner pour un premier voyage missionnaire. Donc, je vous invite à prier pour ça, parce que la Guyane, vous savez comment elle est atteinte, malheureusement, comment la pandémie a repris fortement là-bas, et on prie pour eux, bien évidemment.
Nous avons toujours des besoins dans le ménage, etc. Si quelques-uns se sentent l'envie de donner un petit peu de temps pour le Seigneur dans cette maison, il y a des choses à faire. La technique aussi a besoin de monde. Alors ça, il faut aller voir le responsable parce que je pense qu'il faut quand même certains talents, certaines petits, au moins au minimum. Et puis après, voilà, vous voyez avec lui. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette excellente semaine. Réellement, le prédicateur est en train de fumer derrière, il est en train de se dire « purée, il est long ». Mais je lui dis, réellement, il était là tous les matins, il y a des gens qui étaient là tout le temps. Franchement, moi je suis réjoui. Moi quand les gens se lèvent pour prier, c'est juste merveilleux. Est-ce que vous aimez prier? Moi je n'aimais pas prier. Moi. Je ne suis pas hypocrite. Moi, il a fallu que Dieu me transforme. Prier pour moi, c'était très dur. Prier, lire la Bible, c'était... Ah, j'aimais bien l'ambiance de l'église, mais alors au début de ma conversion, laissez tomber. C'était horrible. Et là, je vois, mais franchement, c'est du miel pour nos âmes. Et puis on pense aux autres. Et puis plus on prie, plus on commence à aimer l'autre. Plus on commence à comprendre ce que ça veut dire, aimez-vous les uns les autres. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour nos autorités. Merci, Seigneur, parce que tu poses ta main sur cette église. Et je te présente tous les malades, tous ceux qui souffrent, toutes les personnes seules. Au nom de Jésus. Merci Seigneur aussi pour les dîmes et offrandes que tu reçois Seigneur. Bénis tous ceux qui donnent avec largesse Seigneur. Merci pour tes grâces. Merci parce que Seigneur cet argent Seigneur qu'il soit utilisé Seigneur à bon escient Seigneur et bien géré pour ton royaume Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour cette église, pour ces excellents frères et sœurs que nous avons. Je te les remets, que chaque foyer soit béni de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse toute la place à la parole de Dieu. Jésus, alléluia. Que ton nom soit. Jésus, amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, notre Dieu encore, Jésus-Christ, de nous réunir, notre Dieu encore, Seigneur, auprès de ta parole. Seigneur, merci pour cette sainte scène, notre Dieu, en mémoire de toi, Jésus-Christ. Encore merci, notre Dieu encore, de bénir nos cœurs et ton peuple, notre Dieu encore, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça fait du bien. Alors, au starting block en bas ou en haut, c'était pareil. C'est parti. Sachez que toute ressemblance avec des événements actuels est volontaire. La deuxième injection, pour nous ce matin, sera une injection d'évangile. Tout simplement. Ce ne sera pas sous-cutané, mais dans les oreilles. Parce que jusqu'à nouvel ordre, les oreilles ne masquent pas les bruits environnants. Alors ce matin, je m'estime heureux en tout cas de faire partie, pas que des bruits environnants, mais de vous présenter devant vous pour une deuxième injection des quatre évangiles. Précédemment, j'ai respecté le délai, il y a un mois, nous avons vu l'évangile de Marc, en partant des versets 1 de chaque chapitre. Marc 1, 1, je vais juste le rappeler, c'est pour les questions de fin d'année. L'année scolaire se passe bien, oui, pour les enfants. Nous aurons un examen et il y aura, je vous prépare, dans cet examen de fin d'année, des questions sur eh bien, comment commence l'évangile. Par exemple, de Marc, c'était « Commencement de l'évangile de Marc, Jésus-Christ, fils de Dieu ». Jésus-Christ, Nouveau Testament, Ancien Testament, fils de Dieu, ça balaye beaucoup de religions. Il y a des religions qui ne veulent pas que Dieu ait un fils. Ben, Jésus-Christ est né. Il a vécu tout l'évangile de Marc jusqu'au dernier chapitre, 16, verset 1, où il est écrit « Lorsque le sabbat fut venu, le jour de repos, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Et ce que je n'avais pas relevé dans ce verset, c'est que, c'est la fin de l'évangile de Marc, toute sa vie s'est déroulée avec des combats. Nos vies, on a des combats, mais il nous aide, il n'y est pas servant nous. Donc il peut nous aider. Et là, c'est marqué que ses sœurs, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé, achetèrent des aromates. Mais qu'est-ce qui se passe quand elles arrivent au tombeau? La pierre est roulée, il est vide. Mais elles avaient déjà acheté les aromates. Ça, moi, ça me montre que dans l'évangile, des fois, eh ben, on fait des choses ou on achète des trucs. Apparemment, ça ne sert à rien. On a fait quelque chose qui n'aboutit pas. Là, elles se retrouvent avec les aromates pour embaumer un corps qui n'est plus là. Mais ce n'est pas grave. La joie de croiser le ressuscité, alléluia. Ce qu'elles avaient acheté, bah, c'est acheté, ça repart dans le commerce. Christ est ressuscité.
Ce matin, il nous réunit autour de sa parole. Et sa parole nous dit que pour la deuxième injection, j'ai choisi un autre plan. Pourquoi ? Eh bien, un jardinier, je suis en train de l'apprendre, tous les ans, il change de culture. Il ne fait pas toujours la même culture au même endroit, il ne fait pas toujours le même plan, mais pour que les fruits qui prennent différents aliments, eh bien, il change de plan dans son jardin tous les ans. Donc, je vais utiliser une autre méthodologie pour l'évangile qui suit, ce sera l'évangile de Luc. La Sainte-Seine, justement, c'est l'évangile de Luc. Puis ça m'arrange bien parce que ce passage, je ne l'avais pas pris. La deuxième injection que vous allez avoir, c'est dans l'évangile de Luc. Et pour que ça se passe bien, dans vos oreilles, hein, je vais déjà prendre les premiers versets. Vous avez tourné, raison de tourner les pages, j'ai commencé par le verset 1. Mais il faut déjà désinfecter. Oui, avant de faire une injection. Maintenant, on désinfecte. Mais vous savez que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une histoire dans ma famille. Mais c'est une histoire vraie. Hein. Du temps de mon grand-père. Donc, ce n'est pas le siècle dernier, c'est le siècle d'avant. Eh bien, pour une injection, le médecin de famille, donc j'ai relevé, moi, le médecin bien intentionné de famille, arrive avec son injection pour un médicament qui, à l'époque, faisait du bien. Et il avait une infirmière en formation avec lui. Alors, des fois, c'était un cheval qui se promenait en ce temps-là. Et l'infirmière lui pose la question, « Mais, docteur, pourquoi vous ne désinfectez pas l'aiguille avant de piquer ?» Le médecin, bien intentionné, lui a répondu, « Madame, s'il y avait un microbe sur cette aiguille, je le verrais. » Ch-toc ! Et c'est parti ! Et à l'époque, ben ceux qui ont survécu, bon, j'en fais un peu partie, alléluia, peuvent dire que ça a bien évolué. Aujourd'hui, on prend soin de nous. En dessous, on nous prévient, j'ai une trouille. Hein. On a chanté, ne soyez plus esclaves. Hein. J'ai une trouille des piqûres, pas possible. Alors en préparant ça, je me disais, non, c'est... Une... Je peux même vous raconter une autre histoire de famille, c'est pas prévu, mais quand j'étais gamin, j'avais tellement la trouille des aiguilles qu'un jour, le médecin est venu me faire un vaccin. Tiens, ça existait déjà à l'époque. Et moi, j'étais parti au premier étage sous le lit. Bon, j'avais 4-5 ans, hein, je ne me souviens même pas, mais c'est ancré. Bon, le médecin, il a demandé à ma maman, qu'est-ce qui se passe ben, il a la trouille. Là-haut, il m'a pris sous le lit. J'ai descendu les escaliers et il a la puissance, je dirais, de l'âme sur le corps. Il a voulu faire son injection. Alors à l'époque, il soignait aussi bien les enfants que les chevaux. Hein. Et ben, l'aiguille, elle n'est pas rentrée. J'étais tellement détendu que la première fois, elle n'est pas rentrée. Hein. Il a essayé, ça n'a pas rentré. Bon, il s'y est repris. Je suis vacciné. Là. Mais vous dire, hein, aujourd'hui, on nous prévient, on ne sent même plus rien des fois. Bon, à l'époque, si j'avais été détendu, j'aurais rien senti. Hein. Mais la trouille, qu'est-ce que ça fait pas faire ? Alors, deuxième injection, l'évangile suivant, l'évangile de Luc. Et Luc, chapitre 1, verset 1, nous allons lire ensemble. Hein, pour désinfecter hein, nos oreilles, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, ce qu'ils ont vu dès le commencement, et sont devenus ministres de la parole. Il m'a semblé aussi bon, donc Luc, le médecin bien-aimé, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer d'une manière suivie, excellent, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alléluia. Nous avons là, eh bien, le terrain qui est préparé. Moi, ça me fait confiance que quelqu'un déjà qui est médecin, donc qui a ses certificats, puisse se renseigner à l'origine. On subit les conséquences d'une maladie, c'est bien de savoir l'origine, de savoir l'évolution. Et puis au fur et à mesure, eh ben on verra bien, on n'est pas arrivé au bout. Mais savoir qu'il y a des recherches exactes, ne pas se fier à tout vent de doctrine. On vous raconte un tas de choses. Non, les médecins, ils savent ce qu'ils font quand même. D'abord, c'est leur métier. Ensuite, eux-mêmes sont concernés par les maladies, puisqu'ils croisent les malades tous les jours. Personne n'a intérêt à ce que les hôpitaux se remplissent. Ils ont déjà assez de travail comme ça. La population vieillit, alors autant laisser de la place pour les soins normaux. Nous avons là, eh bien, un terrain qui est préparé, qui est nettoyé. Je peux faire confiance, alléluia, à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que ce soit l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc. Hein. Les autres, on verra après.
Injection numéro 3, numéro 4. Et j'ai même trouvé un cinquième évangile dans la Bible. Mais ça, c'est une surprise pour la fin. Nous avons là, eh bien, le début. Le terrain est préparé. Maintenant, dans mes oreilles, je peux recevoir Luc 1, 19, qui va me parler des heureux news. Luc, chapitre 1, verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces jours arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, la foi, qui s'accompliront en leur temps. » Le plan de Dieu s'accomplit. Jésus-Christ revient, mais là, c'est Zacharie, il est dans le temple, il sert Dieu. Et comme il a un doute, vu son âge, vu son passé, il n'a pas cru à ce que l'ange lui disait. C'est une histoire vraie, ça peut nous arriver. Hein. C'est pour le plan de Dieu, c'est bien spécial. Ce n'est pas un autre homme qui essaye de me rouler. Je crois qu'on a affaire à un ange. Alléluia. Il vient pour annoncer la naissance de Christ. Il viendra maintenant pour annoncer le retour de Christ. Alléluia. Et nous avons la joie de pouvoir lire que bien, souvent, il y a des interventions comme ça dans le plan de Dieu, amen, du monde spirituel. Je ne suis pas que os, chair, oui. De même que la Sainte Cerce, ce n'est pas que du pain, du vin, alléluia, en mémoire, alléluia, de ce qui s'est passé, de la résurrection, de ce qui nous attend. Jésus me prépare une place dans le ciel. Enfin, moi, je suis content. Je suis très content, parce qu'au début, je ne croyais pas au ciel. Maintenant, je n'ai pas encore vu le ciel. Hein. Je sais qu'il existe. Et je sais même, dans l'évangile de Luc, toujours, je crois que c'est le verset suivant, amen, eh bien que nous avons une intervention, amen, de Dieu annoncée par les anges. Alors je serai dans Luc chapitre 2, verset 12. Luc 2, 12. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se soignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ce qui m'a intéressé dans ce passage, que l'on connaît bien, hein, c'est Noël. Pour les enfants, ce n'est pas bientôt, mais pff, ça va vite. Hein. Ça arrive, Noël. Alléluia. Eh bien, nous avons là des anges qui quittent le ciel, qui parlent aux bergers. Et qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'aurais presque envie de les suivre. Ils retournent au ciel. Moi, je ne peux pas le voir, mais eux, ils en deviennent et ils y retournent. Oui, il y a là une intervention. Les bergers ont été, après, confirmés, ils ont continué leur vie. Hein. Et la vie à Bethléem n'a pas été toujours très drôle, parce qu'après, quand Jésus est né, aussitôt, l'armée arrive pour tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Je crois que la génération de Jean-Baptiste, qui n'était pas loin, qui a été sauvée d'ailleurs de ce massacre, eh bien, de l'âge de Jésus-Christ, dans la région, il n'y avait plus beaucoup. Mais pour nous, alléluia, ce matin, ce qui est intervention, c'est l'intervention des anges. Je crois, alléluia, aux heureux news. Je crois que Christ, alléluia, nous donne sa parole afin que nous puissions eh bien, être fortifiés. Amen. Afin que nous puissions continuer notre chemin. J'ai besoin, moi, d'être éclairé hein, dans la parole de Dieu. Et de pouvoir eh bien, suivre tout simplement la parole de Dieu. Nous avons tout au long de ces chapitres de l'évangile de Luc des verbes qui expriment l'action du Saint-Esprit. C'est poussé par l'esprit que Siméon est venu au temple voir le bébé. C'est rempli par l'esprit que Jésus sort de son jeûne de 40 jours. Ensuite, c'est conduit par l'esprit. Avant, conduit, ça veut dire gouverner. Ouais, le gouvernail de sa vie, même de Jésus, a été gouverné par le Saint-Esprit, jusque dans le désert. Et il est revenu revêtu de la puissance de l'esprit, alléluia, comme l'Église. L'Église de Dieu est revêtue de la puissance de l'Esprit de Dieu. S'il y a puissance, nous on voit dans les combats, mais c'est la paix surtout.
La plus grande puissance de Dieu, c'est de pouvoir me donner la paix dans mes combats. C'est un miracle, ça. Hein. C'est un miracle. Moi, il y a des tensions. Quand je suis sur les starting blocks en bas, prêt à partir, il faut que j'y aille. Dieu me donne sa paix afin de pouvoir vivre ma vie. Parce qu'avant, il a été persécuté, parce qu'avant, il a connu. Et il nous donne son évangile, qui est une bonne nouvelle. Et je vais m'autoriser maintenant eh bien, à une halte. Les jardiniers, comme ça, des fois, ils s'arrêtent plus longtemps dans une parcelle que dans une autre. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, cette halte, on va le voir, hein, c'est très important pour moi, surtout, verset 23. Alors, c'est une petite halte que je vais faire dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Après, c'est parti. Alors, je me suis amusé à compter. On peut s'amuser de temps en temps. Hein. 76 fils de, fils de, fils de. Jésus avait environ 30 ans. Pourquoi la Bible n'est pas précise? Des fois, la Bible est précise au gramme près. Et là, c'est environ 30 ans. Bien là, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. C'est, on n'a pas les mêmes calendriers, tout simplement. Environ, pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, mon année commence au mois de janvier. Au temps de Jésus, l'évangile, le premier mois de l'année, ça commençait à Pâques, qui n'est pas une date fixe. Au début, nous démarrons à la naissance de Jésus, à peu près, à 5 ans près. Et lui, il démarre bien avant. Jésus est déjà en l'an 3761, quand il naît. Donc, ce décalage, on le retrouve. Quand Luc écrit, lui qui est médecin, il a sûrement le calendrier romain. C'en est encore un autre. Je ne l'ai pas relevé celui-là. Donc, il a environ 30 ans. On ne peut pas être précis. Et puis, honnêtement, ça ne change rien, moi. Il est ressuscité. Oh, je change de calendrier. J'aime beaucoup la langue française, que je ne maîtrise pas du tout. Mais je sais que le plus grand mot, on me l'a appris à l'école, c'est anticonstitutionnellement. Il paraît que c'est le plus grand mot. Mais il a une fin. Pour moi, le plus grand mot maintenant, hein, c'est éternel. Mais il n'y a pas de fin. Ça continue. Ouais. Mais dans mon esprit, il a fallu une révolution pour ça. Hein. Ça ne s'est pas fait toute seule. Non, non. Christ est ressuscité. Le calendrier n'est pas le même maintenant. Et je ne sais sûrement pas changer encore. On a changé de monnaie, on peut bien changer de calendrier. Environ 30 ans. L'importance, c'est la filiation, c'est le lien. Amen. Entre le verset 23 et le verset, le dernier, c'est 38. On peut lire hein, le verset 38. Fin de la généalogie. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. On retourne. La généalogie remonte jusqu'au fils de Dieu. Et j'ai entendu une conversion qui se tenait juste à ce verset-là. Un frère s'est converti parce que maintenant, on a tout par Internet. Quoi. On se suit, on se connaît. Mais à l'époque, il fallait tout écrire à la main. Et c'est un frère, je crois bien que c'est même en Algérie, qui recopiait la Bible. Elle a un pavé. Hein. Mais il recopiait la Bible et arrive à l'évangile de Luc, il a recopié jusqu'à Fils de Dieu. Et là, il s'est converti. Parce que vous pouvez suivre votre généalogie. Hein. Si vous arrivez à la Révolution française, c'est déjà bien. Alors, là, maintenant, ça fait presque 5000 ans qu'ils sont couverts. Fils de Dieu. Il retourne aux origines par les témoins qui ont vu la chose. Témoins oculaires. La Bible, elle en est là. Elle est précise, finalement. Environ 30 ans, mais très précise dans le plan de Dieu. Et nous sommes dans l'Église, dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu a voulu, dans ce que Dieu a... Quand il est parti à la croix, c'était pour... il a sauvé le brigand en premier. Après, en cours de route, il nous a sauvés. Alléluia pour les frères et sœurs qui prennent le baptême. Alléluia, c'est une marche nouvelle. Moi, ce que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'étais avant. Hein. C'est une nouveauté de vie, oui. Puis on en a besoin des fois. Oh, c'est bien, ça fait du bien hein, de savoir que... Alléluia, ça soulage. Balayé, alléluia, par quelques mots, amen, des religions, amen. L'évangile de Luc, chapitre 3, par ces versets, amen, nous amène eh bien, à considérer la puissance de Dieu, la précision de Dieu, l'amour de Dieu.
de même que vous aimez vos enfants ou que vos... Enfin, dans une famille normale, hein, que vous aimez vos enfants, que vos parents vous ont aimé, le père, lui, c'est différent. Parce que lui, il est fidèle. Lui, il nous aime d'un amour, amen, qui pardonne. Si nos parents avaient pu pardonner toutes nos fautes, enfin, en tant qu'enfant, on a besoin d'être corrigé quand même. J'avais pas raison d'aller me cacher au premier étage parce que j'ai peur des piqûres. J'aurais dû rester vaillamment devant la seringue. Jésus-Christ, amen, ce matin, nous invite à, eh bien, à continuer notre chemin. Nous sommes là, nous partageons le pain, le vin, nous partageons également, alléluia, une parille. Maintenant, je vais faire une halte un petit peu plus grande dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 1 à 5. Très important ce chapitre pour moi. Luc, chapitre 6, versets 1 à 5. « Il arriva que le jour du sabbat, appelé second premier. » Alors, je vous ai dit le calendrier, hein, le premier mois de l'année, c'était Pâques. Et là, eh bien, ce sabbat, c'est le premier sabbat du premier mois de l'année, pour eux. « Il arriva que le jour du sabbat, appelé second premier, Jésus traversait les champs de blé, ses disciples arrachaient des épis et mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répond, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, une armée ? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit des pains de proposition et il mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de la manger. » Et Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Le Fils de l'homme, parce qu'il est né en tant qu'homme, vrai homme, et il est également Fils de Dieu. Jésus leur répond, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Savoir que toute la loi de Moïse, qui est pour que le peuple soit heureux, qui a été donnée, amen, aux hommes, eh bien, tout est soumis à Dieu. S'il plaît à Dieu de faire un miracle ce matin dans son église, alléluia, s'il plaît que sa prédication s'interrompent pour laisser la place, alléluia, à des miracles. Merci Seigneur. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Si je continue le chapitre, Jésus va demander, est-il permis de tuer ou de guérir un homme ? Personne ne répond parce qu'ils ont leur tradition qu'ils ne veulent pas quitter. Et Jésus est là vivant. Mais Jésus va les emmener plus loin. Et il va dire au paralytique, enfin l'homme qui a la main paralysée, avance-toi. Il va le guérir. Mais ces passages nous préparent à la croix. Si j'ai pris le verset 11, après nous allons lire, bon, j'ai prévu peut-être du verset 6, Luc 6 toujours. Hein. Je reste dans le chapitre parce que vraiment, ouais, Luc chapitre 6, verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et il enseignait. Quelle bénédiction! Il s'y trouva un homme dont la main droite était sèche. Les scribes, les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Le verset 11 commence à me préparer à la croix. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Un miracle. Je suis venu dans les églises, moi, parce que j'avais soif de miracles. Le monde spirituel n'était pas un problème. Je croyais aux anges. Enfin, je croyais aux démons. Les anges, je ne connaissais pas. Mais là, ils ont un miracle. Mais comme ils s'accrochent à leur tradition, ils vont déjà projeter la croix. C'est marqué « remplis de fureur ». Je viens dans une église, pas pour que la colère me déborde et m'inonde. Je viens dans une église pour recevoir de Dieu une direction, une nouveauté de vie, hein. Voir les frères et sœurs. Je viens pour la vie. Notre Dieu est un Dieu de vie. Et là, eh bien, il prouve qu'il est maître du sabbat parce qu'il va faire ce miracle. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. C'est le bon ordre des choses. Le sabbat existe. Hein. Jésus n'a jamais dit que le sabbat n'était pas bon, puisqu'il allait
tous les sabbats à la synagogue et qu'il enseignait. Il n'a pas dit non plus « vous ferez comme vous le désirerez ». Parce que moi, quand je me suis converti, j'aurais plutôt vu une semaine de 6 sabbats et un jour de pas travail. Ça, moi, ça faisait 4 ans que je le faisais, ça me convenait plutôt bien. Mais on m'a dit non, 6 jours de travail, 2 jours de repos, mais tu peux bien célébrer ton Dieu. Bon, ben, j'ai rectifié le calendrier, il faut s'adapter, oui, on est souple. Puis c'est le bon ordre des choses. Apparemment, c'est le bon ordre des choses, Dieu l'a voulu ainsi. Continuons l'évangile de Luc. Alors, je vous ai prévenu, un petit arrêt à Luc chapitre 3, mais là, un grand arrêt à Luc chapitre 6, parce que vraiment, j'arrive dans les heureux. Luc chapitre 6, verset 12. J'ai repris le fil, ça va mieux. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier, et quand le jour parut, il appela ses disciples. Il y en a des milliers là. Et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Luc 6, 12 et 13. Amen. Nous avons les apôtres qui apparaissent après une nuit de prière. Il y a des milliers de disciples. On va les voir après. Ils entendent la même chose que nous. L'évangile. Enfin, ils vont entendre les mêmes choses que nous. L'évangile. Mais Jésus amène, en choisit 12. Et ça va être ses plus proches. Ils vont surtout entendre un enseignement, l'explication des paraboles. Et je viens dans une église, moi, c'est pour entendre dans ma vie ce que je ne comprends pas. Mais j'ai besoin qu'on m'éclaire. Enfin, si ce n'est pas un ange, au moins que la prédication m'éclaire, que la Sainte-Seine m'éclaire, que la parole. Ou qu'un frère, après, en discutant, m'éclaire. Parce que le Saint-Esprit, il parle comme il veut, quand il veut. Eh bien là, nous avons les apôtres, je dirais, qui apparaissent. Alors, que veut dire apôtre, déjà? C'est un mot qui signifie « Jésus, c'est sauveur ». Oui. Apôtre veut dire, je ne veux pas me tromper, je l'ai lu, hein, c'est le dictionnaire qui m'a dit, hein, « envoyé en avant ». Apôtre veut dire « envoyé en avant ». C'est pour ça que Jésus, dans l'Épître aux Hébreux, est appelé apôtre. Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est même considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Jésus lui-même est appelé apôtre, puisqu'il a été envoyé en avant pour nous sauver. Merci Seigneur. Il choisit 12 apôtres. C'est vrai qu'un le trahira, mais là, ils sont juste au début. Là, ils sont juste choisis. Alors, ça veut dire envoyé en avant, ça veut également dire messager et ambassadeur. Apôtre, c'est tout ça. Et aujourd'hui, il y a encore des apôtres. Pour démarrer une église, il y en faut. Ben oui. C'est une réalité. Ils sont envoyés en avant. Dans cette ville de Béthanie, il y a des frères qui ont été envoyés en avant et qui ont défriché. Je ne suis que la suite qui pousse dans un terrain qui est déjà défriché. Parce que des apôtres sont venus. Ils ont annoncé. Ils ont défriché. Alléluia. Et nous continuons tout simplement hein, leur travail. Alléluia. Il y a du travail. Hein. Faut pas s'inquiéter. Ensuite, nous en venons, eh bien, toujours dans le chapitre 6, qui est très important. Je dirais pour moi ce matin, verset 17. Il descendit avec eux, donc c'est Jésus, hein, après avoir choisi les 12 apôtres, il descend avec ses 12 apôtres, il s'arrête sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée et de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors là, on est toujours dans la préparation. Je suis encore dans la préparation de mon message. Depuis 5 prédications. Je croyais que j'allais commencer par les béatitudes et je commence à les effleurer. Jésus choisit ses 12 apôtres. Alléluia. Il descend avec eux et là, il y a une multitude de disciples. On est d'accord? Ouais. C'est marqué de toute la Judée. Fin verset 17, je crois. De Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Alors de Judée, je dirais, c'est presque normal, puisque c'est le territoire de la tribu de Juda. Jésus descend de Juda. Oui, il est le lion de Juda. C'est mon sauveur, Jésus-Christ. Donc, que l'on vienne de sa contrée, de sa famille même, hein, c'est une chose normale. Ensuite, Jérusalem, c'est marqué, hein. Il y a trois endroits. Hein. Une multitude de personnes de toute la Judée, Juda, de Jérusalem. Ah, c'est la ville du roi David.
Alors Jérusalem, ça touche, hein, mais c'est la tribu de Benjamin. Là. On est voisins, pas toujours copains. Des fois, c'est un peu la guerre. Dans Juda, vous avez Bethléem. Et de Bethléem, vous voyez, c'est vraiment la frontière. Hein. De Bethléem, vous êtes au-dessus, vous voyez Jérusalem. C'est juste à côté. C'est pour ça le jour où ils ont rendu, le jour où l'État, il n'y a pas longtemps, hein, qu'ils ont déclaré que Bethléem était pratiquement donné aux ennemis, hein, aux voisins, je ne comprenais pas. Hein. Mais là, nous avons de cette contrée, Juda, de Jérusalem, et enfin de Tyr et de Sidon. Qu'est-ce que ça vient faire là? Tyr et Sidon, c'est plus haut au nord et c'est en bord de Méditerranée. C'est complètement à l'autre bord. Mais je reviens à mes heureux. Du Mont Carmel, Tyr, Sidon. Oui, c'est dans ce sens-là. Eh bien, c'est la tribu de Aser qui a hérité de ce territoire. Parce que ça leur permettait de faire commerce pour pouvoir être ravitaillés et avoir plein de bonnes choses pour faire les mets du roi. C'est dans cette partie de Méditerranée qu'ils pouvaient commercer. Mais eux, ça leur faisait des kilomètres, hein, au moins 100 kilomètres, pour venir entendre l'Évangile. Eh bien, ces trois contrées ont été notées afin que nous puissions savoir que le plan de Dieu, que je sois tout près ou que je sois au loin, maintenant avec Internet, ça va bien, mais à l'époque, c'était à pied. Hein. Eh bien, le plan de Dieu s'accomplit. Ils étaient heureux de pouvoir entendre l'Évangile, de pouvoir entendre l'enseignement du Seigneur, qui commence juste aussitôt au verset 20. Là, normalement, moi, je tourne une page parce que j'arrive enfin dans les béatitudes. Après 5 mois, j'y arrive. Oui. Luc, chapitre 6, verset 20, enfin la moitié des béatitudes. Jésus, levant les yeux sur les disciples, alors, il y a les 12, il y a les milliers, hein, il dit, 2 points, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Voilà. Enfin, une béatitude, la première. Elle apparaît, elle est importante, hein, très importante. Heureux, déjà, c'est le message du Seigneur. Bon, ça, je pense que vous avez compris. « Vous qui êtes pauvres !» Alors, l'apôtre Pierre, qui était là présent, il a pu dire au Seigneur, « Nous, nous avons tout abandonné pour te suivre. » Ils se retrouvent en plein désert, ils descendent de la montagne. Il y en a, ils ont fait 3 jours de marche. Bah, le casse-croûte après 3 jours de marche, c'est important. Hein. À la fin du marathon, vous allez voir, ils ont été dans les starting blocks, mais ils vont manger après. Hein. Il faut donner à manger à la machine. Et là, Jésus, levant les yeux au ciel, donc ça veut dire qu'il regarde ses disciples. Amen. Il va dire, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. À l'époque de Jésus, le royaume de Dieu, c'est une réalité. Jésus parle à ses disciples, donc ils sont croyants. Il a insisté, il est présent, il est à vous, il est au milieu de vous. Ça, c'est Luc, verset 17, chapitre 17. Les disciples suivaient leur prophète qui était au-dessus de tous les prophètes. Car on a entendu, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a annoncé ce que Jésus. Il avait autorité. J'ai marqué, hein, le vent, la tempête, lui, obéissent. Il avait autorité sur les éléments de la nature. Les démons, on l'a vu, sont chassés. Dans ma vie, j'avais besoin de cette libération, que les démons soient chassés de ma vie, à cause de ce que j'avais pratiqué, hein, c'était de ma faute. Mais il a fallu que le pasteur prie pour moi, pour que je sois libéré, délié, purifié, je dirais. Simplement, hein. Sinon ça ne rentrait pas. L'évangile, je ne pouvais même pas prononcer le nom de Jésus. J'étais converti, je m'étais mis à genoux, j'avais pleuré sur mes péchés. Jésus ne sortait pas, il a fallu que je le crie. Il a fallu une délivrance. Maintenant ça va mieux, je me rattrape. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Mais à l'époque, c'était pas évident, hein. Pas du tout. Je pouvais jeûner tout ce que je voulais, le monde spirituel, j'y croyais. Donc, mais la délivrance est venue par le nom de Jésus. Ils étaient prêts, les disciples, les milliers de disciples réunis étaient prêts à combattre. D'ailleurs, jusqu'à l'arrestation, il y en a un qui a sorti l'épée. Il a coupé une oreille, ça a donné du travail au Seigneur, qui l'a guéri. Ils étaient prêts à instaurer le royaume de Dieu qu'ils voyaient. Ils avaient Jésus devant eux. Nous, on est obligés de l'entendre, de l'écouter, de le chercher. Celui qui cherche, il trouve. Ils étaient prêts à combattre, ils avaient leur sauveur devant eux, et ils vont être complètement paumés quand il va être arrêté. Hein. Je les comprends.
pour eux, le royaume de Dieu était une réalité. Et en Israël, encore à l'heure actuelle, au niveau de la croyance, le royaume de Dieu est une réalité. Moi, il a fallu que, petit à petit, ça rentre. Je n'ai pas tout réalisé, c'est sûr. Mais ils étaient prêts à combattre pour. C'était une réelle réalité, j'ai marqué, pour ses disciples. Mais la condition pour y rentrer, elle est précise dans la Bible. Premièrement, il faut trouver la porte. Ben oui. J'entre pas quelqu'un, vous n'êtes pas entré ici si vous n'avez pas trouvé la porte. Si vous êtes dehors en train de chercher, il faut que la porte, en plus, oui, j'ai un petit peu de pub, il faut que la porte elle soit ouverte aussi, pour que je puisse rentrer. Ça, c'est de la pub. Un mot que j'ai caché, parce que j'ai marqué pub. Et pour pouvoir entrer quelque part, même dans le royaume de Dieu, il faut trouver la porte. Je suis, a dit le Seigneur, la porte. Amen. Ensuite, il faut la simplicité d'un enfant. Ah oui. Là, un petit peu de pub aussi pour le club du dimanche. Amen. Semez dans les enfants. Semez la parole de Dieu. Il n'y a pas longtemps, avec mon épouse, on a croisé un... petit enfant qui venait à insupportable. Une boule de nerfs. Quand il partait, on était content. Parce que... un enfant qui est nerveux, il nous met sous... Mais enfin, sa condition familiale faisait que, tout simplement. Hein. Quand il y a de l'orage dans la famille, eh ben, ça explose dans les gamins. Donc, il venait au culte du dimanche, oui, au culte du dimanche, nous c'était en semaine, je crois. Et on l'a recroisé, épanoui, de la crème. mais vraiment, hein. Je lui disais, on a reconnu le gamin, la tête, c'était bien le bon. Enfin, il y a 12 ans entre les deux. Hein. Mais ce qui a été semé quand il était petit, qui nous a cassé les pieds. Et puis il n'a pas cassé les pieds, hein, il pouvait casser aussi autre chose. Mais ce qui a été semé, et la prière des parents. Parce que ce qui a été semé, c'est surtout à la maison, dans le foyer. Ce n'est pas dans le culte du dimanche qui va tout faire. Hein. Ce qui a été semé, alléluia. Après des armées, ça a grandi. Et maintenant, de la crème. Il a un métier qui lui plaît, il est bien. Bien, agréable. Alléluia, c'est plus le même. Merci Seigneur, alléluia. Ensuite, si on trouve la porte et qu'elle est ouverte, si on a la simplicité d'un enfant qu'on a reçu, on croit, je crois. Après, il y a quand même l'obéissance. Ouais. Hein. Là, c'est un peu de pub pour mon baptême, parce que je me suis converti à l'extérieur de l'Église. J'ai commencé à lire la Bible, à prier même, hein, pour avoir une Bible en français, parce que là-haut, à l'extérieur de l'Église. Et le jour où j'ai lu « Celui qui croira et qui sera baptisé », sera sauvé, ben, j'étais coincé. J'étais à l'extérieur, j'allais rentrer par la porte parce que je croyais en la parole et j'ai demandé le baptême dans une église française en Australie. Alors, maintenant, j'aime presque appeler ça une église éphémère. Ah, l'église, elle est éternelle. Mais en Australie, une église française, à l'heure actuelle, dans la ville de Perth, vous pouvez chercher. Elle a été éphémère, un pasteur français. Et passé là-bas, pendant quelques années, eh bien, il a prêché. Et puis moi, c'est là où je suis venu. Il m'a baptisé. Alléluia. Et voilà. Après, nos chemins se sont séparés. Je vais revenir à la Sainte-Seine. Je ne suis plus dans tout le texte. Moi. Je vais revenir à la Sainte-Seine parce que quand je suis parti, j'avais été illégal 6 mois là-haut. Le billet de retour, quand on a été illégal en Australie, on ne peut pas y retourner normalement. Et je savais qu'en les quittant, mais bon, je retournais en France, j'étais content. Hein. Non, je ne voulais pas y rester. Et quand on est parti, le dernier soir, avant que l'avion, le lendemain matin, eh bien, on a mangé ensemble avec l'église. Le pasteur a organisé un repas et on a pris la Sainte-Seine. Et au début du repas, ça nous a fait du bien. Ensuite, donc, les miracles accompagnent la parole de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu est à vous. Et nous avons, eh bien, à travers ce verset, alléluia, la réalité que nous vivons actuellement dans notre Église, bien sûr, mais surtout que Jésus veut pour chacun d'entre nous, qu'on soit auprès ou au loin, que nous ayons cette communion fraternelle. Amen. Jésus-Christ, alléluia, nous invite dans sa parole à continuer. Alors je vais prendre toujours chapitre 6 maintenant, je crois que je vais y rester encore un petit peu. Verset 21, deuxième béatitude, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui avez eu faim cette semaine, parce qu'on a été bénis. Dans la journée, oui. Oui, on a été bénis. Pleinement bénis. Dans la paix, dans la joie, dans le renouvellement. Heureux, vous qui avez faim maintenant. Alors, bien sûr, là, c'est fin de justice. C'est fin de... pas que reconnaissance. C'est fin de délivrance. Pour mon cas, moi, c'était... j'avais faim et soif de délivrance. Bien, j'ai été rassasié. J'ai été libéré. Et je peux continuer. Alors, le terme rassasié est important. Après un bon repas, regardez bien Astérix et Obélix, ils sont rassasiés, ils chantent. Bon, le barde est ficelé. Vous voudrez mieux me ficeler, moi, mais ils chantent. Oui. Et nous, avec la parole de Dieu, quand on est rassasié, alléluia, on ne peut plus que chanter. Des fois, ça fait du bien de pouvoir s'exprimer en chantant, parce qu'autrement, on manque de mots. Je me surprends des fois à chanter en langue, quoi. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Deuxième béatitude dans l'évangile de Luc. Nous en avons dans le même verset. Heureux vous qui pleurez maintenant, verset 21, car vous serez dans la joie. Alors, ce n'est pas des pleurs de joie, c'est vraiment des pleurs de quand on quitte quelque chose, quand on est humilié. Voilà. Le Seigneur a été humilié jusqu'à la croix, jusqu'aux pleurs de la croix. Amen. Mais vous serez, parce que je vous prépare une place, et parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, même pas les piqûres. Non, non, il n'y a pas de vaccin contre la mort, il y a le baptême. Je suis mort à mes péchés. Par les eaux du baptême, je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Ça, c'est une vraie libération. Mais ce n'est pas que des mots. Dans nos vies, ce sont des actes qui vont suivre. Une libération, une nouveauté de vie. Je dis non à ce que je cherchais avant. Et puis c'est automatique. Le Seigneur en moi m'a aidé à dire non. J'ai cherché du hashish jusqu'au bout du monde. En Australie, on m'a représenté une barrette. 10 grammes pas cher. C'était pas cher, pas besoin de marchander. J'ai dit non, Jésus m'a donné une joie qui est supérieure à tous. Non, merci. Depuis, merci Seigneur. Enfin, je m'accroche à la délivrance, parce que je ne dis pas que la tentation n'existe pas, si. Mais, alléluia, merci Seigneur de me faire marcher encore aujourd'hui en nouveauté de vie. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces béatitudes qui nous ouvrent, verset 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, vous chassera, on vous chassera. » Lorsqu'on vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, aujourd'hui. Tressaillez d'allégresse, des fois dans nos familles, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leurs pères ont traité les prophètes. Jésus-Christ est le prophète des prophètes qu'ils suivaient. Mais Jérusalem, combien de fois je veux vous rassembler. Je vous envoie des prophètes, des apôtres. Église, je vous envoie des pasteurs pour vous rassembler. Alléluia, ne soyons pas rebelles, tout simplement. Ils ont, amen, goûté à la joie dans les persécutions. C'est vrai, là il faut un miracle. Il y a un passage que j'ai volontairement sauté, j'en parle maintenant, oui, va être juste. Parce que ça parle de tendre l'autre joue quand on prend une claque. C'est dans le même chapitre, là. Bon, ben, ça, je l'ai sauté parce que pour l'instant, j'ai du mal à le prêcher. Simplement, Faut le miracle du Seigneur, tout simplement. Alors, au verset 26, s'il y a 4 béatitudes, il y a 4 non-béatitudes. Et là, je vais les survoler. L'évangile de Luc ne nous cache rien. 6, 26, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des prophètes. La flatterie. Je ne prêche pas l'évangile pour être flatté. L'évangile, c'est l'évangile. Point. Mais malheur. Quand on dira du bien de vous, ça veut dire que vous direz ce que les gens ont envie d'entendre. Non, je témoigne de Jésus-Christ. Verset, celui qui suit de toute façon. Ouais. Non, mais le 24, pardon. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Ça, c'est le premier, j'aurais dû commencer par là. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Là, il ne parle pas que des richesses terrestres. Il parle également des richesses spirituelles.
Ça veut dire malheur à vous qui vous prenez pour Dieu, qui vous prenez au-dessus de Dieu. On appelle ça l'orgueil. C'est ceux-là qui sont concernés. Tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu ? Tu auras des surprises. Parce que Dieu est, sa parole existe. Elle est pour mon bien. Je suis heureux si je suis au-dessus. J'arrive là. Malheur à vous qui êtes riches, car vous avez votre consolation. Pas au ciel, sur terre. Malheur à vous qui êtes rassasiés. Vous aurez faim. Si je me prends pour Dieu, et il y en a beaucoup hein, dans notre société, ils se croient au-dessus de Dieu, ils se prennent pour Dieu, ils n'ont pas besoin, ils sont rassasiés. Ils n'ont pas faim et soif de délivrance. Ils sont rassasiés, ils le croient, ils seront des surprises. Malheur à vous qui riez maintenant, verset 25 toujours, car vous serez dans le deuil et dans les larmes, la vallée de l'ombre de la mort, et malheur lorsque les hommes diront de vous du bien, c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Amen. Quatre béatitudes, mais également quatre non-béatitudes. Jésus-Christ enseigne ses disciples, les douze et la multitude, et il leur dit, je vais refermer l'évangile, mais on va ouvrir grand nos oreilles, encore, parce que c'est le moment également de prier, pour ce que l'on a entendu. Hein. Je ne suis pas à la fin du message, mais on en a dit assez, c'est pas... L'important, amen, c'est de trouver dans la parole notre vie, de trouver notre position de vie, et de savoir que, eh bien, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, il y a toujours des réponse. Merci Seigneur Jésus-Christ, car nous disciples, alléluia, nous sommes dans la joie Seigneur, de croire à ton royaume, de savoir que ce royaume est à nous. Amen. Même si nous étions perdus, je sais que tu nous as retrouvés. Et je vais appeler simplement, hein, pendant que les musiciens oui, peuvent monter, avant que la louange revienne, j'appellerai ceux qui ont faim et soif de justice à se lever, à ceux qui pleurent maintenant, parce qu'il y en a, qui sont dans le deuil et l'âme, simplement aussi à se lever, à ceux qui eh bien, sont haïs, outragés, rejetés à cause du nom du Fils de l'homme, à se lever. À nous tous, famille de Dieu, amen, nous allons prier, retourner à notre Seigneur. Merci Jésus pour ta fidélité, Seigneur notre Dieu encore, car tu es venu notre Dieu, tu as été envoyé en avant notre Dieu afin que nous puissions recevoir ton évangile, Seigneur. Merci pour la famille qui s'agrandit, Seigneur, alléluia, pour ces cris de joie qu'il y a dans les baptêmes, notre Dieu encore, Jésus-Christ, pour le culte également des enfants, notre Dieu encore, Seigneur, merci de bénir Jésus-Christ, merci de nous avoir donné ta parole, Seigneur, et que cet évangile, cette deuxième injection puisse nous faire du bien, Seigneur, et nous protéger dans ces temps de la fin, amen. Gloire à Dieu, Seigneur, vous bénisse. Amen, gloire à Dieu, amen, merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Vraiment, le Seigneur s'est parlé, j'aime beaucoup... Comment Hervé prêche ? Parce qu'il aime décortiquer la parole. Voilà. On est tous différents, on a des talents différents. Moi, ça me fait beaucoup de bien, ça me nourrit. En plus, je vais vous dire un secret. Là, le Seigneur m'a parlé en direct. Ben alors bon, c'était pas très réjouissant, c'était à la fin, là, quand il parlait de malheur à ceux qui rient. Il y a un petit qui est tombé, et puis il a pleuré, vous avez entendu ? Et moi, ça me fait toujours rire, ça me ramène au temps où je galérais avec lui qui était comme ça. Et puis, je ris, au même temps, il dit « Malheur à ceux qui rient ah, ». Pardon Seigneur. Donc voilà, c'est juste une petite plaisanterie. Au passage, le Seigneur a de l'humour aussi. Amen. Il nous aime, il veut égayer notre cœur, il veut rendre cette journée pleine de joie pour vous. Il y a plein de bénédictions. Vous savez, la parole de Dieu, elle console. Elle enseigne, elle guérit, elle nous fait beaucoup de bien, elle reprend, elle nous corrige. Mais tout ça, c'est parce qu'il nous aime profondément. Alors on va chanter ce dernier chant, et puis que cette journée soit une journée de bénédiction pour tous. Emprisonné, meurtri, blessé, Paul et Silas ont adoré, malgré la peine, ils ont chanté, et toutes les chaînes ont dû céder. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. À toi l'honneur, la majesté. Tu es la vie, la vérité.
l'autant. Et tu l'as sais. Et tu l'as sais. Désemparé, emprisonné dans tes pensées. Crie ta louange, crie ta louange. Et tu verras tomber tes chaînes. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. À toi l'honneur, la majesté. Tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom, je loue ton nom. Gloire à ton nom une dernière fois. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. À toi l'honneur, la majesté. Tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom, je loue ton nom. Le Seigneur me met à cœur de parler à une personne. Je l'avais tout à l'heure pendant le culte et c'est moi qui choisis ce chant parce que j'ai quelque chose à te dire. Il est marqué que toutes les chaînes ont dû céder dans la louange. Tu es blessé, tu es comme t'es passé comme dans des ronces, ton âme est vraiment, et t'as du mal. T'as du mal parce que tu te dis, mais jamais j'arriverai à retrouver la fraîcheur en Dieu. Le Seigneur te dit ceci, mon enfant, même si tu ne vois pas tout de suite la fraîcheur qu'il y a dans l'adoration, c'est là que tu auras ta délivrance. Ne cherche pas des hommes d'onction, ne cherche pas à aller de séminaire en séminaire. Pose-toi tous les jours devant ma face. Adore un temps. Et dans la louange, je vais lever. Et toutes tes blessures, je vais les guérir. Et c'est vraiment une promesse pour toi. Tu verras que plus tu adores, plus tu vas sentir mon onction arriver. Et là, dans le lieu secret, je vais enlever toutes tes lourdeurs. Je vais enlever tout ce qui est... Et n'hésite pas, je tiens à le dire, n'hésite pas à louer en esprit aussi. Parce que le Seigneur va t'accompagner. Et dans peu de temps, enfin dans un certain temps, le temps du Seigneur, tu viendras voir ton pasteur et tu lui diras ce qui s'est passé. Crois en la parole du Seigneur. Il est bien marqué, hein. Malgré leur peine, ils ont chanté. Et je peux te dire une chose, c'est que l'apôtre Paul était beaucoup plus éprouvé que toi. Il était en prison, enchaîné, des tortures lui étaient infligées. Et il est marqué qu'il chantait, et c'est marqué, et toutes les chaînes ont dû céder. Donc ton âme, les chaînes vont tomber. Tu vas guérir. Crois au Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce dimanche, et bonne journée.